Ah, vous êtes là? Ah, pardon. Bon, ben, on va travailler alors. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce début de semaine, à savoir du 22 au 24 novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end. Oui, je sais, je suis en pyjama, mais voyez-vous, je sais pas quel temps fait-il chez vous, mais je pense qu'ici, le Père Noël n'est pas très loin. Je m'attends à avoir de la neige incessamment sous peu, là, hein, très concrètement. Allez, vraiment, j'espère que vous allez vraiment tous bien. Je suis très très heureux de vous retrouver et comme vous le voyez, je suis en pleine forme parce que j'avais envie de partager avec vous un petit instant de bonheur. Alors, c'est pas grand chose, je sais, vous en foutez pour certains, mais c'est pas grave. Non, vous avez vu, je vous ai fait la vidéo de l'ESBA. Donc l'ESBA lunaire, si vous l'avez pas vu, je vous la glisse juste ici. Allez la voir, s'il vous plaît, elle est bien. Je vous parle de magie, je vous ai fait un tirage avec des cartes. Elle est bien, allez la voir. Et depuis que j'ai fait ça, alors même avant, hein, même avant j'étais bien, mais là de m'être reconnecté dans mon univers, dans mes énergies, dans ma magie, d'avoir pratiqué comme ça, je peux pas vous dire. Ça m'a vraiment fait un bien fou, mais vraiment, je me suis senti comme toutes les choses là, qui étaient un peu bloquées au niveau du chakra du cœur, tout s'est dégagé, tout, absolument, tout est parti, et j'ai passé l'une de mes meilleures nuits, ce qui est incroyable parce que vous le savez, d'habitude, les nuits de pleine lune, je dors pratiquement pas du tout, et là, au contraire, j'ai passé une nuit, mais absolument, là, les deux nuits, absolument extraordinaires, franchement, je crois que c'est la première fois que je dors aussi bien. Et pourtant dans cette maison, je peux vous dire les amis que je dors vraiment bien. C'est incroyable, c'est le jour et la nuit ici. Hein. Dans l'autre maison, j'arrivais pas à dormir. Ici, je fête ces nuits et surtout quand je me réveille vers 7-8 heures du matin. Avant, c'était l'heure à laquelle je me couchais. Là, je me réveille à 7-8 heures du matin et je suis pas fatigué, je suis reposé, je suis en pleine bourre, je pars faire mes 4 km avec Olympe, enfin voilà. Et pourquoi je vous raconte ça? Je sais pas, j'avais envie de partager mon bonheur comme ça avec vous. Non, mais ce qui me rend heureux aussi, je vais vous le dire, c'est que rappelez-vous, la semaine dernière, j'ai fait un puissant rituel, j'ai fait plusieurs choses pour me débarrasser de certaines nuisances parce que j'ai appris qu'on travaillait sur moi, j'ai appris qu'il y avait des gens, mais ça, je ne m'étonne pas, qu'il y avait des gens qui travaillaient sur moi, mais ce qui m'a le plus dérangé en fait, c'est que j'ai appris qu'on travaillait aussi sur ma maman, sur Cédric, et chose qui m'a littéralement fait péter un plomb, on travaille aussi sur le petit, mon petit de 5 ans. Et ça, les amis, je peux vous dire que tel un lion, personne ne touchera ma famille. Je vous jure, j'invoquerai les enfers s'il faut, mais personne ne touchera ma famille. Moi, j'en ai strictement rien à foutre de moi. Hein. Au contraire, quand on m'envoie des mauvais trucs, quand on sait le gardien que j'ai avec moi, ça le nourrit au contraire les mauvaises choses. Hein. Ça aussi, ça fera l'objet d'une vidéo, les anges gardiens, les veilleurs, etc. etc. Mais c'est pas le sujet là pour le moment. Mais qu'on touche mes proches et qu'on touche des personnes qui n'ont rien fait, qui sont innocentes, ça c'est vraiment quelque chose que je ne supporte impérativement pas quoi. C'est pour moi c'est une sentence absolue et immédiate. Donc du coup c'est pour ça que le samedi dernier j'étais parti faire mes petits rituels. Des rituels pour protéger, des rituels pour, on va pas dire punir, mais pour invoquer une sanction divine, une sanction karmique pour que ces personnes, eh bien, récoltent ce qu'elles ont envoyé, tout simplement, et qu'au passage soit multiplié par 10, voilà. Puis j'ai ajouté quelques petites options fort sympathiques. Et vous vous souvenez que juste après ça, j'ai eu ma violette, mes violettes de sorcier, hein, et comme je vous l'ai dit, la violette de sorcier, c'est une fleur qui est traîtresse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que celui qui est juste dans son cœur et juste après un vœu ou un rituel va être amené à trouver cette fleur-là.
Et lorsqu'on travaille, parce qu'il y a un petit rituel à faire avec la violette de sorcier, je ne vous le donnerai pas. Je suis désolé, pour le coup, je ne veux pas donner ça publiquement. Mais il y a un petit rituel à faire avec la violette de sorcier qui fait qu'elle se dédouble et elle envoie à celui qui a fait le mal, justement. Et du coup, l'autre croit qu'il est protégé, alors que non, c'est le sort qui est activé et qui s'active du coup de l'autre côté. Et en récoltant la fleur, en la prenant sur soi et en l'amenant dans sa maison, sachant que la fleur du coup est concentrée par le sort qui a été jeté, fait rentrer le sort et accepte sa sentence, accepte, reconnaît en fait d'être coupable. Et ça me fait rire parce que aujourd'hui, une semaine pile poil après mon rituel, j'ai eu cette réponse. J'ai eu la réponse que les personnes qui ont fait des choses contre moi ont trouvé des violettes et il s'avère que ce sont les violettes qui sont porteuses du message du sortilège. Voilà. Donc maintenant, le karma va se charger du reste et ça me rend vraiment le cœur en fête, les amis, parce que ça me prouve que la magie est toujours là, que les signes sont toujours là et surtout que je suis quelqu'un de juste et que ce que j'ai demandé était justifié aussi. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai bien fait flipper et que là je viens de passer pour le sorcier le plus diabolique de la Terre, on va faire donc nos énergies de la semaine. Non, mais il y a un moment donné, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il y en a marre de se faire emmerder par les gens, quoi. Les gens, ils trouvent toujours des trucs à vous dire, vous êtes toujours le méchant de quelqu'un, vous êtes toujours le con de quelqu'un, il y a toujours des personnes pour vous embêter, pour vous polluer la vie, pour vous nuire, pour faire de la magie noire, et ceci et cela. Et moi, après, derrière, on me contacte en me disant Jojo, ma famille a été maudite, machin et tout. Merde, mais sérieux, il y en a, il ferait mieux de se mettre à la couture plutôt qu'à la magie, quoi. Il y a un moment donné, il y en a, ils sont pas doués, ils sont pas faits pour ça, ils manipulent des trucs, ils savent absolument pas ce qu'ils manipulent, après, ils se retrouvent avec de la merde, et après, ils se retrouvent aussi avec des vrais sorts envoyés par des vrais magiciens, et puis ils comprennent pas, ah, tiens, il m'arrive plein de merde en ce moment. Bah oui, mais si t'avais pas fait le con, la vie t'aurait pas puni, quoi. C'est aussi simple que ça, il y a un moment donné, voilà, faut assumer, faut assumer. Quand on est con, eh ben faut assumer d'avoir une vie de con. Voilà. Bon, non, ça ressemblait pas à un coup de gueule. Non, je vous ai sûr, les amis, c'était pas un coup de gueule, promis, promis. Allez, on y va tout de suite avec notre guidance aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? On va se prendre le rond de cristal pour faire nos prédictions. On va prendre les photos karmiques pour se faire une petite guidance, comme ça on viendra compléter justement avec la guidance de l'univers féerique de notre lumineuse Marie, à qui je fais un bisou. On se prendra aussi le message des gens, des anges de ma belle Dorine. Et puis c'est tout, et puis voilà, on va pas sortir tous les jeux non plus, hein, faut pas déconner. Hein. Allez, on y va tout de suite. Donc, énergie du 22 au 24. Qu'est-ce que nous avons là? Des démarches légales à réaliser et des grosses difficultés financières. Donc on nous parle de papier de paperasse, de alors les difficultés financières, peut-être que justement elles sont liées aux démarches légales. Peut-être que vous êtes dans une démarche de faire une demande de prêt. Effectivement, peut-être qu'en ce moment c'est pas la joie financièrement, ou alors vous avez besoin d'une trésorerie pour faire quelque chose de spécifique dans un projet. Et à l'heure actuelle, votre situation financière ne permet pas de réaliser un tel projet, ne permet pas de débloquer certaines choses. Donc vous allez peut-être faire appel à des organismes pour pouvoir vous aider. Ah, c'est mon fauteuil qui grince. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai quelqu'un qui couine dans la chambre. Allez, on va s'en prendre trois. Nous avons une opportunité va se présenter. Alors, opportunité, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut être une opportunité de travail, une opportunité, une chance à saisir, hein, une porte qui va s'ouvrir. On va voir un petit peu un événement imprévu qui va se produire. Ça, je sais pas pourquoi ça me fait penser au travail. Une bonne nouvelle, voyez en plus. Je sais pas pourquoi ça me fait penser. Ouais, ça me fait penser. Alors, vu qu'il y a eu les deux cartes qui se sont éjectées là avec les démarches légales et les gros problèmes financiers, peut-être que vous allez obtenir justement la réponse. Vous allez peut-être obtenir une solution qui va vous permettre de sortir un petit peu de cette mouise, hein, quelque chose qui était un peu inattendu, la providence qui se manifeste à vous, un gros coup de chance. Mais là, on a trois belles cartes, vraiment des très belles cartes entre l'opportunité qui va se présenter, un événement imprévu qui va se produire. Alors l'événement imprévu en soi, il est neutre, mais là, comme il est couplé avec des bonnes cartes, ça devient quelque chose de positif et une bonne nouvelle. Donc préparez-vous, les amis, pour ce début de semaine à recevoir une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle qui va prendre la forme d'une opportunité. C'est-à-dire, je vous parlais du travail parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Pour ceux qui recherchent du travail, vous allez peut-être avoir cette semaine une proposition.
Un message, un mail, peut-être que vous allez tomber sur une annonce, quelque chose vraiment qui va être super intéressant et je vous invite à le faire. Vraiment, si vous sentez un truc là sur ce début de semaine, si vous sentez quelque chose qui fleure bon, la bonne opportunité, franchement, tentez votre chance, essayez, vraiment essayez. J'ai envie de vous dire, vous ne risquez rien, vous ne risquez rien, hein. Qui ne tente rien n'a rien. Au pire, c'est un refus, mais au mieux, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif. Donc sincèrement, si vous sentez une opportunité, si vous avez, je sais pas, vous verrez, ça va se manifester à vous, hein. Donc je peux pas citer 7000 opportunités pour tout le monde, là, c'est pas possible. Mais vous allez le sentir, vous allez le voir. Si vous sentez que ça, c'est une opportunité, qu'il y a un coup à faire, qu'il y a quelque chose, franchement, allez-y. Allez, photo karmique. On va commencer par un chakra. Alors, chakra, qu'est-ce que ça pourrait être vu le coup de chance? Je vois du jaune. Est-ce que ce serait le plexus solaire qui va sortir? Tout, tac. Non, violet. Violet, violet. Eh bien, c'est le chakra coronal. Donc, chakra coronal, je comprends, je prends conscience de ma spiritualité. Je sais, je suis, je lâche prise et mon niveau de conscience augmente. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose que vous allez faire cette semaine ou que vous allez apprendre ou que vous allez découvrir et qui va vraiment vous tranquilliser l'esprit. Je sais pas, ça peut être d'ordre de plein de choses, hein, quelque chose qui vous turlupine la tête, à laquelle vous n'arrêtez pas de penser, etc., etc. Eh bien là, vous allez avoir la réponse et ça va vous permettre d'être tranquillisé, de vous dire, ouf, ça y est, maintenant c'est fini. Tiens, je prends l'exemple du travail. Imaginons que cette semaine, je vous le souhaite, que vous trouviez un travail, bah automatiquement, oui, ça va vous tranquilliser l'esprit en vous disant, bah ça y est, maintenant, je suis plus en galère, je vais avoir une paye qui va tomber, j'ai un contrat qui est là. Vous voyez, donc tout de suite, ça va tranquilliser sur plein d'autres choses. Ok? Donc pour moi, j'ai ça comme ressenti. On va voir quand même avec les autres cartes. On va venir compléter. Alors, Heinz, sois réaliste et ne vise pas ce que tu n'auras jamais. It's fine. Renonce aux faits et crois aux possibilités. Oh, franchement, les amis, c'est beau, c'est beau ça, c'est super beau. Super beau. Pourquoi c'est super beau? Parce que la première, elle nous dit à la fois d'être réaliste, donc de ne pas viser ce qu'on ne peut pas avoir, et effectivement, par exemple, la lune, hein, des fois, on veut beaucoup plus que ce que l'on peut avoir, donc il faut savoir être objectif et d'être réaliste. Mais en même temps, il faut savoir aussi renoncer aux faits et pouvoir croire que c'est possible. Donc là, on a à la fois deux cartes qui se contredisent, mais qui se complètent super bien. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, il y a peut-être des choses que vous voulez, des choses que vous visez, mais qui ne sont pas encore accessibles et il faut que vous soyez objectif, soyez réaliste, elles ne sont pas à votre portée. Et entre parenthèses, encore, elles ne sont pas encore à votre portée. Et avec cette carte-là, on a au contraire le fait, regardez la carte, on voit que c'est un ciel qui est nuageux, il vient de pleuvoir, et là on voit bah, les rayons de soleil qui commencent à percer et la fin de la tempête. Eh bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire que il va falloir aussi croire que les choses sont possibles, que ça peut se réaliser, hein, si on en croit les médias. Normalement, on a des hommes qui ont marché sur la lune. Mais bon, avec complotiste, pas complotiste, il y en a, ils y croient, il y en a, ils y croient pas. Moi, je sais pas, j'en sais rien. En 69, j'étais pas né, donc j'ose pas te savoir s'il a marché sur la lune, le mec. Puis j'étais pas avec lui, donc je peux pas le savoir. Par contre, le jour où moi je marche sur la Lune, je vous fais une vidéo, les amis, je vous promets, si, je vous promets que je fais une vidéo pour vous montrer que oui, je marche bien sur la Lune, que la Lune existe. Ah, promis, je vous ferai une vidéo. Bon, c'est pas près d'arriver, hein, pas tout de suite en tout cas, je pense. Quoique avec Elon Musk qui veut démocratiser les voyages dans l'espace, peut-être que je marcherai sur la Lune avant ma mort, peut-être. Est-ce que ça me plairait? J'en sais rien, franchement. Il n'y a pas de nature, c'est tout gris, il n'y a pas de ciel bleu, il n'y a pas d'eau. J'en sais rien. Et puis du coup, ah oui, mais attendez, j'y pense. Si on est sur la Lune, du coup, les rituels, comment ils vont fonctionner? Du coup, je ferai des esbats terrestres, des esbats tertiaires. Faudra que j'invoque la Terre depuis la Lune. Bah oui, parce que tout est inversé, du coup, dans cette histoire, ça marche plus.
Bon allez, j'arrête de divaguer et de dire des bêtises. Donc je vous disais d'être à la fois réaliste et objectif sur les choses qui ne sont pas encore disponibles pour l'instant, mais par contre renoncer au fait que, c'est-à-dire vous dire oui c'est pas possible, mais c'est pas parce que c'est pas possible maintenant que ça ne le sera pas plus tard, d'accord? Hein, c'est, je sais pas, je veux pas vous reciter l'exemple du régime. Mais ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que si là vous vouliez perdre 50 kilos d'un coup, bah non, c'est pas possible, c'est pas réalisable, c'est pas objectif. Mais ça veut pas dire que c'est pas réaliste. Ça peut se faire avec du temps, ça se fera, vous y arriverez, mais c'est pas réalisable dans le sens où je veux et j'exige ici maintenant là. Vous avez vu, j'ai réussi à le prononcer sans fourcher la langue. Voilà, donc pour la petite guidance, on va compléter justement avec l'univers féerique. Pour voir si ça se complète bien justement. Mais pour moi, voyez ce que je ressens, j'ai l'impression que cette semaine pourrait se manifester une opportunité, quelque chose auquel vous aviez renoncé ou dans laquelle vous ne croyez plus, vous vous disiez non mais c'est bon, je renonce, ça se passera jamais, ça va jamais se réaliser, et boum, ça arrive, le truc de dingue, ça arrive. Allez, on va en prendre deux. On a perte de repères, conseils et difficultés à s'orienter avec cette licorne perdue dans les bois enneigés. Voyez les bois enneigés là? Dans 2 jours, j'ai les mêmes, je pense. Et enfin, nous avons une personne entière, vraie et déterminée. Donc pour moi ici, vous allez recevoir l'aide d'une personne, soit pour ce début de semaine ou pour cette semaine, vous allez recevoir. En ce moment dans votre vie, vous vous sentez comme perdu, comme désorienté, mais ça colle avec tout ce que je viens de vous dire en fait. Parce qu'effectivement, si vous êtes dans cette situation à ramer, à galérer, etc., etc., vous vous sentez complètement perdu, complètement désorienté, et par conséquent, attendez-vous. Ça peut être ça d'ailleurs, l'opportunité, ça peut être cette personne qui va venir vous aider. Hein, ça peut être, je sais pas, moi, une assistante sociale ou quelqu'un d'extrêmement bienveillant, une personne, voilà, vraiment quelqu'un à laquelle vous attendiez absolument pas et pouf, qui apparaît dans votre vie et qui est vraiment là pour vous aider, qui est là pour intervenir, pour vous apporter, pour vous remettre sur le droit chemin. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous allez garder tout le long de votre vie, ou alors c'est quelqu'un que vous allez garder juste le temps qu'il faut pour que vous puissiez vous remettre sur les rails et de nouveau avancer droit et avancer vers une direction. Mais ici on a vraiment l'intervention d'une personne, une personne bienveillante qui viendra vous aider, qui va venir vous apporter des bonnes choses et qui sera une vraie aide, hein, pour vous repérer dans votre perdition. Allez, on va terminer avec un petit message des anges, ça va faire du bien. Vous êtes aimé, parfait. Vous êtes aimé et l'autre... Excusez-moi, j'ai cru qu'il y en avait deux, je la trouvais épaisse la carte. Cela en vaut-il la peine? Et là, on a quelque chose qui est super intéressant. Là, dans le message, j'ai envie de vous dire pourquoi les amis continuent à vous accrocher. Si c'est terminé, s'il y a quelque chose qui doit se finir, acceptez que ça doit se finir. Et pourquoi vouer de l'énergie? Pourquoi vouer des sentiments dans quelque chose qui est fini ou alors qui a prévu de se terminer, hein. Donc est-ce que ça en vaut vraiment la peine? L'entreprise dans laquelle vous allez vous lancer ou un projet qui vous tient à cœur, là vous allez peut-être prendre, c'est des exemples que je vous cite parce que c'est ce qui me vient en tête, mais vous allez peut-être contracter une somme d'argent, vous mettre dans une certaine difficulté pour investir cet argent dans quelque chose, mais en fin de compte, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça pour... un résultat dont on n'est pas sûr, voyez. La relation dans laquelle vous venez de vous engager avec cette personne, est-ce que cette personne en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de vouer de l'énergie, de vouer des sentiments pour cette personne? Attention, cette carte n'est pas foncièrement négative, hein, puisque rappelez-vous ce que je vous ai dit. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, si on s'arrête à cette carte, hein, ne vise pas la lune parce qu'en gros tu ne l'auras pas, bah oui, là pour le coup, est-ce que ça en vaut la peine? Non, ça en vaut pas la peine. Mais on a cette carte. Le fait de renoncer à ce qui existe pour croire au possible, d'accord? Donc, est-ce que ça en vaut la peine? Si on regarde de façon objective, non. Mais si on fait appel à notre esprit et notre conscience, est-ce que ça en vaut la peine? Oui, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que oui, ça en vaut la peine.
Et le vous êtes aimé, pour moi, c'est vraiment l'aspect d'être entouré, d'être aimé, et ça rejoint cette personne-là. Hein. Alors, si je me fie au dessin de la carte, ça pourrait peut-être être du coup une femme blonde qui va vous aider. Mais je me fie pas forcément qu'au dessin, hein, puisque c'est bien marqué personne entière. C'est pas marqué femme blonde, mais juste par rapport au dessin. Mais ici, du coup, pour moi, je pense que cette personne-là vous aime vraiment. Et si elle accepte de vous aider, ne refusez pas son aide. Voilà. Voilà donc mes chers amis pour nos énergies de ce début de semaine. Waouh, j'ai fait une vidéo d'une 20 minutes là. C'est tout, j'ai tout fini, même avec le blabla, mais c'est incroyable. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous les amis. Je vous souhaite de passer une très belle, un très bon début de semaine. Et cette semaine, ah, attendez, j'en profite, je vais vous faire 2-3 minutes de blabla, vite fait là. Cette semaine, je pense que ça va être la folie, parce que... Il y a plein de choses que Alliance Magique sort pour cette semaine. Donc je vous ai prévu 1 million de vidéos. Il y a les coups de cœur du mois de novembre là que je vais vous présenter. Et il y a mon ami Jean-Patrick, si tu passes par là, tu sais de quoi je vais parler. Qui a enfin sorti son oracle. Alors, je pense que vous connaissez Jean-Patrick, si je vous dis l'oracle de l'Anna, l'oracle des médiums, hein, les origines de l'Anna, ça, c'est bon, ça commence à vous parler, voilà. Eh bien, Jean-Patrick, ça fait des mois qu'il travaille sur un oracle complètement secret. C'est-à-dire que même moi, je n'ai pas réussi à obtenir une seule information dessus. Rien. J'ai tout fait. Je l'ai menacé. Tout. J'ai tout fait. J'ai rien eu. Rien. Il a rien voulu filtrer. Donc... Là, il vient d'annoncer que ça y est, il avait reçu les jeux, qu'il les avait emballés, et donc je vous ai prévu de vous faire une vidéo surprise, un unboxing surprise, mais pour le coup qui sera à la fois surprise pour vous et surprise pour moi, parce que je ne sais absolument pas ce que je vais déballer, mais alors rien du tout. Donc ce sera la surprise la plus totale, voilà. Je vous fais un petit teaser sur la semaine qui arrive. N'oubliez pas, mardi, on fait notre atelier sur... toujours, c'était quoi déjà le message, je crois, la télépathie médiumnique, enfin, transmettre un message, je sais plus comment c'était. Donc ça, c'est mardi, et puis tout le reste de la semaine, je vous ai prévu aussi des petites choses. Enfin voilà, vous verrez, ça à découvrir. Bon, en attendant, moi, je vous fais tout plein de gros bisous, et puis je vais, avant que je finisse à poil, parce que je pense que dans 5 minutes, il n'y a plus rien... Donc, je vais faire du buzz comme ça. Je vous fais plein de gros bisous, passez un très bon début de semaine et on se retrouve vite, prenez bien soin de vous.